Salut à tous, c'est Matenger aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de la Coupe du Monde féminine. Donc aujourd'hui c'est parti, ça sera contre le Brésil. Aujourd'hui sur cet épisode on va faire les quarts de finale et la demi-finale et puis la finale ça sera pour dans 3 semaines. Donc bah c'est parti, en espérant que la foule ne sera pas trop forte par rapport à ma voix. Normalement j'ai baissé un peu. Allez, France-Brésil au Parc des Princes. Voilà. Les hymnes nationaux. Et maintenant le Brésil. Pourquoi la caméra était plus vers le bas, je sais pas. Bref, allez, c'est parti, on passe au match maintenant. On passe au match. Et ça va pas être facile, hein. C'est le Brésil, c'est pas n'importe qui non plus. Hop, à la Vosgée qui prend le ballon. Oh putain. Déjà là, on se prend un but avec une mauvaise passe. Je joue beaucoup avec, avec les hommes, hein, vous comprenez, dans ma carrière manager. J'avais complètement oublié que les passes étaient très 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 mauvaises finalement. Donc ben, cette mauvaise passe a fait que le but arrive, quoi, tout simplement. Et merde, déjà un but, donc faut marquer notre premier but très très rapidement, sinon on va galérer tout le match. Allez, le sommeur. Le centre. Qui va en corner. Un petit corner. On va faire un corner comme ça. Là, pas de joueur. Le sommeur. Boum. Ah là là là. Il y a beaucoup de joueuses, hein. Allez. Boum. Oh punaise, je le voyais dedans là. Je le voyais. Ouais, je sais pas. Je vois très mal, mais en tout cas pour l'instant ça va. Allez. Parce que là nos joueuses vont être très très fatiguées sinon. Hop. Oui. Le sommeur. Tire. Boum. Oh, oh non, mais c'est pas possible. Le poteau maintenant, la barre. Oh my god, quoi. Boum. Oui. Boum. Magnifique. 1-1. Ça fait plaisir. Allez. Hop, au milieu là. Voilà, ici. Nickel, Abili. Ouh, Abili est vraiment bien dans le match là. Ça fait plaisir. Et le 4-3-3 fonctionne beaucoup mieux que l'épisode précédent. Ça se remarque tout de suite. Boum. Oh, oh, oh. Allez, hop, on prend cette balle là. On la met en zone défense, voilà. Que tout le monde se replace. Même le Brésil vont pouvoir se replacer, mais ils étaient tous en défense. Donc ça va les faire un peu monter. Allez. Non, vous voyez ? Toujours vers le poteau droit du gardien. C'est trop bizarre alors que je mets bien mon joystick vers le centre. C'est un peu chiant. Alors dites-moi s'il y a une technique, une autre technique par rapport à FIFA 15 parce que là, je comprends pas. Allez, Amandine Henry. Ouh, un tir pas assez puissant. Ça aurait pu être puissant avec un homme, mais là, pas du tout. Elodie Thomas. Hop, on revient en arrière. Voilà. Là, on fait ça. Et là, la petite tête. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est la mi-temps. Voilà, on reprend. Pour cette deuxième mi-temps, j'ai mis Nessib à la place de la Vosgée. Pas parce qu'elle était mauvaise. Non, elle était bien. C'était pas mal. Mais c'est surtout parce qu'elle était fatiguée. Donc, j'ai préféré mettre Nessib en attaque en gauche. En attaquante, plutôt.
Allez, c'est parti. Je pense que ça va rajouter un petit peu plus de technique et de vitesse. Le sommeur qui fait le centre, mais comme tous les joueuses ou joueurs, il met le centre là où je veux pas. Franchement, je comprends pas ces centres. Il joue avec nous, hein, ces brésiliennes là. Putain, regardez. Hop, allez, un peu plus d'agressivité, ça fonctionne. Tac. Non, ça c'est encore une fois une mauvaise passe. J'ai mis la passe vers le sommeur. Elle l'a mis carrément à gauche. Incompréhensible. Allez, deux changements, Gaëtan Tiné et Gianni qui vont rentrer. Car le sommeur était capoute, hein. Elle était dans le rouge complètement, donc j'étais obligé. Et ça se voyait sur le terrain. On a vu que Elodie Tommy n'était pas très contente de cette sortie. Mais voilà. Après, il y a la demi-finale. Si vraiment on y arrive. Tiens, j'ai eu peur. La gardienne, elle m'a fait peur. C'est bon, allez, on met de l'attaque. Non! Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette gardienne? Mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Oh là 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 là. Là, si je l'arrête pas, c'est foutu. Putain, j'étais du bon côté pourtant. Là, la gardienne, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Je sais pas ce qu'elle a fait avec la balle, mais. Je voulais dégager, mais elle l'a perdu de la main. J'en sais rien du tout. J'en sais rien ce qui s'est passé. Trop bizarre. Bref, allez. Bon, là, on met de l'attaque ultra. Là. Je peux pas. Je peux pas faire autrement. Faut que j'attaque à mort. Pour avoir au moins les prolongations. Alors, maintenant, on va faire ça. Tac. Putain, mais mauvaise passe encore! Oh là là là, les tirs, les mauvais tirs quoi, c'est un truc de malade. Putain! C'est pas possible! Oh mais je suis obligé de tenter les tacles. Hein. Il me faut la balle. Oh, et puis voilà. Les défenseuses sont complètement. Et voilà, ils jouent les petites bites là. Et vraiment, ça me souligne comme ça quoi. Pff, oh là 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 là. C'est très médiocre. Voilà. Bon, on n'a pas été super. Et il y a eu que deux épisodes donc dans cette série. On perd 2-1 en quart de finale contre le Brésil. Franchement, un peu beaucoup déçu là. Hein, beaucoup déçu. une très mauvaise passe en début de match. Et puis le but gag. Par rapport à la gardienne. Franchement, ces deux choses complètement. C'était pas volontaire, quoi. C'est pas moi qui étais mauvais. C'est juste que, au début, j'avais oublié que les passes des joueuses françaises étaient très, très mauvaises. Et ensuite, au niveau de la gardienne, je n'ai pas compris, quoi.
On aurait dit qu'elle voulait lâcher la balle au lieu de la tirer. Mais bon. Allez. On va aller dans le menu. Voilà. Voilà, attention, là où les équipes suivantes ont été éliminées de la compétition. Oui, non, mais je sais que c'est foutu pour moi. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est foutu. Fin de la compétition. Et voilà, ils nous remettent ici. Tout simplement. Voilà, donc fin de la compétition, donc fin de série. C'est dommage. Très, très déçu pour le coup. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Et à la prochaine pour un autre épisode d'une autre série. Donc la semaine prochaine, c'est quoi la semaine prochaine? Bah mince, c'est le... Non, c'est la Ligue des Champions avec le LOSC. Voilà. Donc la semaine prochaine pour la Ligue des Champions avec le LOSC. Allez, à plus. C'était Matenja.